Cocteau est né en même temps que la Tour Eiffel. Cocteau est né en même temps que Charlie Chaplin. Et bien sûr, vous connaissez le cinéaste, La Belle et la Bête. Vous connaissez l'auteur dramatique, Les Parents Terribles, le dessinateur, le romancier, l'essayiste. Et peut-être à l'instant, une formule toute faite, trop entendue, vient-elle de vous traverser l'esprit ? Touche à tout. Injuste, bien sûr, cette formule. Mais si on l'a employée, c'est précisément à cause de l'excès de ses dons. Dans tout ce que Cocteau a entrepris, on trouve de la poésie, naturellement. Mais j'affirme que nous le retrouvons et qu'il se retrouvait le mieux dans ce qu'il a appelé cette rêverie intérieure, où de temps à autre, il s'investissait totalement. Rêverie intérieure dont il disait « Il peut toujours en sortir des miracles ». La vie de Cocteau, c'est un paradoxe continuel. Le siècle n'est à peine, il est là. Il est le passeur du 19e au 20e siècle. Et déjà avec fracas, il entraîne ce siècle vers des harmonies neuves. Dès lors, Cocteau sera multiforme, toujours, partout. Cocteau éclatera, inspirera, entraînera. Cocteau sera à la première page des journaux. Le tout Paris, ce sera Cocteau. Cocteau sera une star. Et en même temps, voilà le paradoxe. Tout à coup, loin de tous, loin de tout, il s'enferme dans sa chambre pour élaborer son œuvre de poète. Ce paradoxe, le spectacle conçu par Sylvia Monfort va en administrer une preuve lumineuse. Alors, si vous le voulez bien, imaginons. Imaginons l'une de ces réunions de l'amitié, comme il y en a eu beaucoup autour de Cocteau. Ces soirs-là, il y avait des musiciens, Stravinsky, Auric, Honegger, Millau, des écrivains, bien sûr, des peintres comme Picasso. Ce soir, ce sera autour de Sylvia Monfort et de ses amis. Une de ces réunions restituées, sans, bien sûr, la présence physique de Cocteau, mais autour de la voix de Cocteau. Et une fois de plus, Jean Cocteau nous entraînera au-delà même des limites de l'éblouissement. Je n'ai jamais eu un beau visage. La jeunesse me tenait lieu de beauté. Mon ossature est bonne. Les chairs s'organisent mal dessus. En outre, le squelette change à la longue et s'abîme. Mon nez que j'avais droit se busque, comme celui de mon grand-père. Et j'ai remarqué que celui de ma mère s'était busqué sur son lit de mort. Trop de tempêtes internes, de souffrances, de crises de doute, de révolte, matée à la force du poignet, de gifles du sort, m'ont chiffonné le front. Creusé entre les sourcils une ride profonde, tordu ses sourcils, molli les joues creuses, drapé lourdement les paupières, abaissé les coins de la bouche, de telle sorte que si je me penche sur une glace basse, je vois mon masque se détacher de l'os et prendre une forme informe. Ma barbe pousse blanche. Mes cheveux, en perdant l'épaisseur, ont gardé leur révolte. Il en résulte une gerbe de mèches qui se contredisent et ne peuvent se peigner. Si elles s'aplatissent, elles me donnent un air minable. Si elles se redressent, cette coiffure hirsute semble être le signe d'une affectation. Mes dents se chevauchent. Bref, sur un corps ni grand ni petit, mince et maigre, armé de pieds et de mains qu'on admire parce qu'elles sont longues et très expressives, je promène une tête ingrate. Elle me donne une fausse morgue. Cette fausse morgue vient de mon désir de vaincre la gêne que j'éprouve à me montrer telle que je suis et sa promptitude à fondre de la crainte qu'on puisse la prendre pour une morgue véritable.
ce matin. Tombe une neige des Noëls de mon enfance, la véritable, avec la crèche et les boules de gui en guise de lustre, et contre ma joue l'astracan froid de ma mère. Elle revenait de ses courses, un bouquet de violettes sur sa fourrure de caniche. En ce temps-là, tombait la neige à telle date et à telle autre, sortaient les fiacres découverts, les costumes de marins blancs et sur nos jambes la méchante flanelle rouge de guêtre. En ce temps-là, longue nous paraissait la vie. Longue, la longue rue La Bruyère, où contre les vitres j'écrasais mon nez pour mieux voir le cocher de la cour voisine laver le break de la comtesse et du comte de Crèvecœur. Le château de Maisons-Laffitte ornait un vaste parc. De tilleuls, de pelouses, de plates-bandes, de bicyclistes, de chevaux de course et de propriétés bourgeoises. Le dimanche, dès l'aube, sur la place Sully, mon grand-père, le chevau de paille à la renverse, guettait les allées qui montaient du champ de course. Soudain, sous un soleil implacable, arrivaient les virtuoses du dimanche. Sarsat, en gibus, redingote, gants de peau rouge, tenait les guides. On dételait, on servait au cheval fou de fatigue une soupe de bourgogne chaud et de carottes. Puis les virtuoses déjeunaient. Sivori était nain. À table, ma grand-mère l'asseyait sur des partitions. Pas sur Beethoven. Madame, pas sur Beethoven. Et il piquait ses fraises avec son cure-dent. Cette musique de chambre n'était pas de la musique pour être écoutée. Non, juste un sport, un exercice comme un autre, du canotage, de l'escrime, de la boxe. Elle groupait de vieux amis, évitait entre les disputes. Grébert tenait le violoncelle. Chaque fois que ma grand-mère, au bout de la salle, passait sur la pointe des pieds son tricot à la main, il se soulevait et saluait tout en continuant à jouer. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Exercé au rêve. J'avais lu que le sucre fait rêver, j'en mangeais des boîtes. Je me couchais tout habillé deux fois par jour. Je me bouchais les oreilles avec de la cire, afin que mes rêves puissent prendre racine plus loin que dans les bruits extérieurs. On a coutume de se représenter la poésie comme une dame voilée, langoureuse, étendue sur un nuage. Cette dame a une voix musicale et ne dit que des mensonges. L'art, c'est la science faite chair. Une œuvre d'art doit satisfaire les neuf muses. C'est ce que j'appelle preuve par neuf. Le célèbre acteur de Max avait organisé, payé de sa poche, une séance consacrée à mes vers. Laurent Taillade me présentait au public après avoir peigné sa houppe grise, vissé son œil de verre, son monocle. Il eut une conférence préambule, véritable massacre de tous les poètes de l'époque. Il me laissait seul debout. Les efforts qu'il me fallut déployer par la suite pour faire oublier cette séance suffiraient à me la rendre inoubliable. En fin de compte, de Max Médé, des acteurs fameux, disait mes vers, mon départ date de cette séance. C'est à un dîner du dimanche que je rencontrai Reynaldo Hahn. Il se mit au piano et chanta Chabrier. Il jouait
l'île heureuse, la cigarette d'un côté de la bouche, sa voix exquise de l'autre, l'œil au ciel, tout le petit jardin à la française de ses joues bleuâtres tournées vers l'ombre, le reste de sa personne en roue libre derrière le piano sur une pente douce et nocturne. Rien n'en est mis plus que de se laisser flotter longuement dans un bain tiède. Assez de musique qu'on se laisse flotter longuement. Assez de nuages, de vagues, d'aquariums, d'ondines et de parfums la nuit. Assez de hamacs, de guirlandes, de gondoles. Indolence du public. Fauteuil et ventre du public. Il y a un utile et un inutile en art. La majorité du public ne ressent pas cela, envisageant l'art comme une distraction. Nous avons tous un épiderme sensible aux tziganes, aux marches militaires. L'oreille réprouve, mais supporte certaines musiques. Transportons-les dans le domaine du nez, elles nous obligeraient à fuir. Attention, soyez bien sur vos gardes, car seule parmi tous les arts, la musique nous tourne autour. Attention à la peinture, disent certaines pancartes. J'ajoute attention à la musique. Le public n'aime pas les profondeurs dangereuses. Il préfère les surfaces. C'est pourquoi, dans une expression d'art qui lui demeure encore suspecte, il incline plutôt en faveur des supercheries. Il y a des gens qui passent pour très intelligents et qui ne font que s'incliner vers les bonnes choses. La tête s'en approche, mais il reste enraciné ailleurs. En effet. Le public aime à reconnaître. Il déteste qu'on le dérange. La surprise le choque. Le pire sort d'une œuvre, c'est qu'on ne lui reproche rien. C'est dans cette pénombre que je rencontrai Stravinsky. Stravinsky. Fulgurant coup de tonnerre.
Stravinsky vous désenlise un homme. Le Sacre du printemps fut joué dans une salle de luxe qui symbolisait dès le premier coup d'œil l'erreur, mettant aux prises une œuvre de force, de jeunesse et un public décadent. Cette salle de l'avenue Montaigne joua son rôle tout de suite. On rit, on siffla, on conspua, on imita les cris d'animaux. Le vacarme dégénéra en lutte. À 2 heures du matin, Stravinsky, Nijinsky, Diaghilev et moi, nous nous empilâmes dans un fiacre et nous nous fîmes conduire au bois de Boulogne. On gardait le silence. La nuit était fraîche et bonne. À une odeur d'acacia, nous reconnûmes les premiers arbres. Arrivé au lac, Diaghilev, matelassé de possum, se mit à marmonner en russe. Je vis des larmes sur sa figure. « Qu'est-ce ? » demandai-je. « Le Pushkin. » Il y eut un silence. Il grommela encore une courte phrase. Et l'émotion de mes deux voisins était si vive que je n'hésitais pas à l'interrompre pour en connaître la cause. « C'est trop difficile à traduire, » dit Stravinsky. « En vérité, trop difficile, trop russe, trop russe. C'est à peu près... Et si on allait aux îles ?» Et c'est en allant aux îles, comme ici on va au bois de Boulogne, que nous avons imaginé le Sacre du printemps. C'était la première allusion au scandale. Nous revînmes à l'aube. On gardait le silence. Vous n'imaginez pas la douleur et la nostalgie de ces hommes. C'est de ce fiacre que date notre véritable amitié avec Stravinsky. Le drame de l'art et qu'il choque la race qui s'en délectera dans la suite. S'il ne la choque point au préalable, c'est qu'il a des roses trop ouvertes et prompt à se faner. À la première du Sacre, où une élite sérieuse met un chef-d'œuvre, nous vîmes la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil. Elle agitait un éventail et s'écriait « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi !» Et elle le pensait. En fin de compte, tous les scandales sérieux finissent au Louvre, à l'Académie, au concert Colonne. Il faut se mettre en garde contre de belles pieuvres. Wagner, Debussy et même Stravinsky, qui s'approche d'eux, a du mal à se dépêtrer de leurs tentacules. Même à Stravinsky, il ne vous laisse pas le temps de dire ouf, il vous cogne en mesure sur la tête et sur le cœur. En vérité, tout vivantel comporte un abat à tel. Il faut avoir le courage de cet abat à tel, sous peine d'éclectisme. L'éclectisme, c'est la mort de l'amour et de l'injustice. Or, en art, l'injustice, c'est la justice. Bref, vive Eric Satie, abat Stravinsky. Lumineux. Il enseigne la plus grande audace à notre époque, être simple. Il trace une route blanche où chacun peut librement marquer ses empreintes. Satie, de la musique française.
pain musical. Chaque matin m'arrivent de nouvelles injures, quelques-unes de fort loin. Devant cette pile de myopie, d'inculture, d'insensibilité, je pensais au moi admirable où nous avons Picasso, Satie et moi aimé, cherché, ébauché, combiné peu à peu parade. Cette petite chose si pleine et dont la pudeur consiste justement à n'être pas agressive. Le soir de la première de parade, la foule nous reconnut, nous menaça. Sans Apollinaire, avec son uniforme et le bandage qui entourait sa tête, des femmes armées d'épingles nous eussent crevé les yeux. J'ai admiré, aimé, aidé religieusement Eric Satie. Il allonge la liste des deuils qui me rendent la vie écœurante. Le lendemain de sa mort, le douanier Rousseau entre au Louvre. On dirait pour fêter leur rencontre. Il serait plus sage de faire ma valise et de me préparer aux adieux. Depuis quelque temps, beaucoup de passagers tombent à la mer. Tout jeune, mon rêve était de gloire. Il me semble que nous nous accrochons aux vanités comme à une barque déjà pleine, et que soit on nous écrase les mains à coups de rame, soit on a pitié de nous et on nous accepte en surnombre. Muse, dans vos sombres usines, savais-je que vous me feriez une couronne de laurier plus féroce que des épines. Muse, pardonnez-moi mes crises de révolte, mais il m'arrive d'être là et de mal recevoir l'encre que je récolte d'un cœur assassiné par vos neuf coutelas. De ce buisson ardent, votre amour me hérisse. Le verrai-je bientôt fané, car nul, sauf vous, peut interrompre un supplice que le sort m'a voulu le jour où je suis né. Mais voici maintenant au milieu de mon âge. Je me tiens à cheval sur ma belle maison. Je vois des deux côtés le même paysage, mais il n'est pas vêtu de la même saison. Ici, la terre rouge est de vignes encornées comme un jeune chevreuil. Le linge suspendu de rire de signaux accueille la journée. Là, se montre l'hiver et la mer qui m'est due. Je veux bien. Tu me dis encore que tu m'aimes, Vénus. Si je n'avais pourtant parlé de toi, si ma maison n'était faite avec mes poèmes, je sentirais le vide et tomberais du toit. Lorsque mes successeurs verront mon aventure, les ressorts, les chaos de ma belle voiture, ils s'émerveilleront d'un si noble parcours. Mais ceux qui maintenant regardent mon passage me trouvent maladroit, chacun se jugeant sage, et veulent imposer leur route à mes amours. Quoi, vous avez écrit le cap, vocabulaire, vous écrivez ceci, vous ne pouvez me plaire. L'homme aime l'uniforme et qu'on n'en change point. Mais après notre mort se livre notre course. La voiture s'étoile ainsi qu'une grande ours, et nos fruits égrelés se révèlent à point. Dans le cœur de quelques amis, j'ai su me bâtir un refuge. Sous sa robe rouge de juge, le monde ne m'a pas admis. Astre double de ma naissance, vous mêlez mon âme à ma chair et vous me fîtes payer cher le crime de mon innocence. Thank you.
J'ai pour vous de nouvelles fraises, dit le dentiste. Le client pensa que ces fraises étaient pour l'endormir, car chacun sait que les fraises contiennent de l'éther et endorment ceux qui en abusent. Mes fraises sont les fraises à pied, dit le dentiste, car notre ville n'a pas encore le courant électrique. Ces fraises étaient délicieuses. Le client ouvrait grand la bouche. Et le dentiste ne ménageait pas ses fraises, qui étaient petites, mais d'un goût plus vif que les grosses, qu'on force et qui contiennent de l'eau. Elles coûtaient fort cher. Le client s'exécuta, il estimait que le jeu en valait la chandelle. « Vos fraises étaient excellentes, dit-il, en payant le dentiste. Loin d'attaquer les dents par leur sucre, elles les soignent. Je compte en cultiver un plant dans mon jardin. » Depuis, les fraises à pied du client lui valent des revenus considérables. Il en garde une grande reconnaissance au dentiste, à qui il ne manquera pas d'envoyer une pleine corbeille à chaque récolte. La bonne musique ressemble à son compositeur. Darius Milhaud est un jeune éléphant avec des forces et des longueurs étonnantes. Il danse, il berce ses enfants, il écrase les clôtures. Il y avait rue Dufaux un bar qui s'appelait le bar Gaïa. C'est là que nous avons joué du jazz. C'était un bar tout en longueur, avec des céramiques sur les murs, comme dans les salles de bain, bleu le ciel. Cela représentait des moulins, je crois. Tous les samedis, pendant nos déjeuners avec les musiciens, les peintres, nous disions « Ah,
Si nous pouvions dans notre bar à nous. Darius Milhaud me montra ce bar, je fus enthousiasmé. 15 jours après, nous l'ouvrions. C'était en quelque sorte une préfiguration du bœuf sur le toit. J'ai voulu jouer de la batterie. Darius Milhaud et moi, nous sommes allés voir Igor Stravinsky, là où il travaillait. Il y avait toutes sortes d'instruments, des grosses caisses, des tambours. Nous lui avons dit, Igor, peux-tu nous prêter une grosse caisse, une caisse claire, une cymbale? Mais oui, mes enfants, a dit Igor, mais oui, emportez, emportez. J'ai joué aussi du piano. Je n'avais jamais appris, je pouvais jouer n'importe quoi. Je n'avais qu'une particularité, je ne pouvais jouer que dans un ton en fa majeur. Le tambour du jazz band est mon violon dingue. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il faut bien s'amuser un peu. Il faut bien s'amuser un peu. Entre deux syncopes. Il faut bien s'amuser un peu, loin du cercle de famille qui déjeune sur l'herbe rouge, au bord de la route. Il ne manquerait plus que d'être attaché à sa chaise comme Ulysse. Et comme Ulysse, de laisser aux enfers davantage que sa culotte. Il faut bien s'amuser un peu et traverser les routes où pédale Mercure multiplié par 1000 miroirs. Il faut bien s'amuser un peu et tirer la langue à la mort qui nous surveille et nous recommande de ne prendre ni froid ni chaud. Quelle gouvernante, quelle colle! Il faut bien s'amuser un peu et suivre l'enfance et ses peurs qui la font courir jusque dans le fleuve, le seul refuge possible pour éviter la gouvernante qui lui court après. Une très curieuse exposition. On annonce à Maison Lafitte une très curieuse exposition de photographies faites par des enfants. Les familles ont eu l'idée charmante de confier des appareils de photographie à des enfants malhabiles à s'en servir. Il en résulte de véritables petits chefs-d'œuvre. Le seul reproche qu'on puisse faire, disent les critiques, serait une tendance fâcheuse vers un retour à l'impressionnisme. Le jour de l'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale a décoré de la Légion d'honneur le jeune Jean-Claude F., âgé de 1 an, pour sa remarquable nature morte. L'accident qui aurait pu arriver se déroula en fugue de Bach, extrêmement bien exécuté par une pianiste qui savait que la moindre fausse note déterminerait l'accident.
Il y avait 30 personnes dans l'avion. L'hôtesse de l'air souriait et distribuait des friandises. La pianiste sentait son cœur battre à se rompre. Il battait jusqu'au bout de ses doigts agiles et vieux. Elle n'osait les regarder exécutant la fugue en ré qu'il ne s'agissait pas d'exécuter avec brio, mais avec une scrupuleuse exactitude. La pianiste calculait. Elle pensait à son fils qui était trompette et devait concourir au festival des Caves en octobre. Oui, son fils jouait de la trompette et de malchance, car les juges estimaient que son jeu était trop sentimental. C'est qu'il pensait à sa mère pianiste et à cette fugue dont dépendait, sans qu'elle s'en doutasse, la vie de 30 personnes feuilletant des magazines ou remplissant des fiches. La moindre fausse note, il se répétait cette phrase, et la pianiste se disait « le mécanisme ». Oui, car son fils tenait d'elle une sensibilité ridicule. On avait recommandé de ne pas applaudir. Toutes ces circonstances permirent au pilote de se poser sur l'aéroport. La langue française. Vous ne supposiez tout de même pas que je le suce, dit la marquise, avec une réelle noblesse. Mais le jeune drôle connaissait mal la langue française, il ricana et accusa la marquise de dire des obscénités. Ce mois fut un chef-d'œuvre. La marquise se dressait dans une robe de percaline jaune, brodée d'iris noir en jais et de jacinthe en turquoise. Sa traîne commençait cette robe, et il semblait que les étoffes montassent du sol pour s'enrouler autour des chevilles, des cuisses, des fesses, du ventre, de la taille et mourir au bord des seins. La marquise était moins jeune que ne l'avouait son passeport. Mais belle de fureur face au jeune drôle à qui elle avait eu la faiblesse d'accorder ses faveurs. Son rire la saccageait. Saccageait ses iris, ses jacinthes, ses turquoises. On eût dit une grande vague furieuse et jaune. Misérable ! S'écria-t-elle. Et superbement, elle dégrafa cette masse d'étoffe. Toute nue, n'ayant que ses perles au cou, d'un geste théâtral, sa main désigna la porte. Le jeune drôle baissa la tête et quitta le château. Alors, victime de l'amour et de la langue française, la marquise s'effondra dans une sombre vague multicolore. Oh, madame, voilà ce qu'il faudrait comprendre. Vous me dites toujours que vous aimez le beau, qui ça? Le beau Léandre. Je n'aime pas dormir quand ta figure habite la nuit contre mon cou, car je pense à la mort, laquelle vient si vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras, et c'est ce qui m'éveille. Est-il une autre peur? Un jour, ne plus entendre auprès de mon oreille ton haleine et ton cœur. Puisse durer toujours une si grande joie qui cesse le matin et dont l'ange est chargé de construire ma voix allège mon destin. Mauvaise compagne, espèce de morte, de quel corridor? De quel corridor pousses-tu la porte dès que tu t'endors? Je te vois quitter ta figure close, bien fermée à clé, ne laissant ici plus la moindre chose que ton chef bouclé. Je baise ta joue et serre tes membres, mais tu sors de toi sans faire de bruit, comme d'une chambre on sort par le toit. Lit d'amour, faites halte, et sous cette ombre autre posons-nous, dormons, laissons là-bas au bout nos pieds sages, chevaux endormis côte à côte et quelquefois mettant l'un sur l'autre le cou. Notre entrelac d'amour à des lettres ressemble sur un arbre se mélangeant. Et sur ce lit,
Nos corps s'entortillent ensemble comme à ton nom le nom de Jean. Croiriez-vous point, Homère, reconnaître votre œuvre et les monstres de vos haras si vous sentiez bouger cette amoureuse pieuvre faite de jambes et de bras? Mais le nœud dénoué ne laisse que du vide. Et tu prends le cheval au crin, le cheval du sommeil, qui, d'un galop rapide, te dépose au bord que je crains. Au moment de plonger sous les vagues du songe, tu sembles hésiter. Craindrais-tu par hasard qu'à ta suite je plonge et du même côté? Ne crains rien. Nos sommeils ont une différence. Car lorsque je m'endors, le cauchemar te mêle au lieu de mon enfance avec mes amis morts. Tu traverses les bois, les pelouses, les fermes, les routes que j'aimais. Tandis qu'en la torpeur profonde où tu t'enfermes, je ne marche jamais. Il me serait bien doux de déranger ton rêve, de l'habiter longtemps. Je tremblerais alors que le soleil se lève et t'ouvre à deux battants. Si je meurs premier, dans tes rêves j'entre, je verrai comment. Lorsque je dormais la main sur ton ventre, tu changeais d'amant. Lorsque nous devrons aux enfers descendre, s'il y a des enfers, nous n'habiterons le même scaphandre, ni la même mer, tu sauras trouver d'autres compagnies au séjour des morts. Comment guérir ta folle manie de quitter ton corps? Tes rires retroussés comme à son bord la rose, efface mon dépit de ta métamorphose, tu t'éveilles. Alors le rêve est oublié, me voici de nouveau à ton arbre lié. Tu me serres le corps de ta petite force. Que nous sommes, nous plantes en une seule écorce, une seule couleur, une seule chaleur, et dont notre baiser sera l'unique fleur. L'orgueil me gâche tout. Ce matin, demi-morte, tu gisais, par l'amour mise tout à l'envers. Chacun de nous vivait dans un autre univers. Je n'étais pas heureux et je faisais en sorte, je mentais. N'étant pas comme toi, déféré, vaincu, laissé pour mort, sans chemise et sans armes, du lit où n'eussent dû m'atteindre que tes charmes. Mon esprit dérivait par l'orgueil affairé. Amour, quel homme lieu. Quelques petites pointes me venaient du dehors piquer la crête à vif. Or, indigne cent fois de ton amour naïf, mon âme galopait malgré nos jambes jointes. Je me vengeais. Je sortais, je rentrais, je parcourais la France. Alors que le bonheur est la seule vengeance, et que la trêve est douce aux amants endormis. Je ne veux plus souffrir du songe qui me trouble et vaincrait mes soucis. Car aimes-tu quelqu'un en existence double, tu le trompes ici, trompons ce bienheureux pour qui tu te contractes en un sommeil profond. Au contraire, il m'est doux de me livrer aux actes que tes chimères font. L'autre te croit à lui, mon baiser te réveille. Et il te cherche en vain en ces lieux où, par quelque infernale merveille, ta présence lui vint.
Vous savez ce que je nomme gants du ciel? Le ciel pour nous toucher sans se salir les mains, mais parfois des gants. Raymond Radiguet était un gant du ciel. Sa forme allait au ciel comme un gant. Lorsque le ciel ôte sa main, c'est la mort. Prendre cette mort pour une mort véritable, c'est confondre un gant vide avec une main coupée. J'avais su tout de suite que Raymond Radiguet était prêté, qu'il faudrait le rendre. Mais je voulais faire la bête coûte que coûte, le détourner de sa vocation de mort. Suis-je? Ne suis-je pas? Le sais-je? C'est ainsi de n'être plus moi. Si la neige est la neige, elle sait le paraître, du moins par l'empreinte des pas. Oh, mes amis, mes chers amis, qui savez ce que c'est que d'être, faites-moi croire que je suis. Je saurais bien vous apparaître. Le puis-je encore? Je le peux. Je sens que je le peux encore. Que je peux encore un peu prendre la forme de mon corps. Je suis vieux. Jamais les jeunes pensent devenir des vieux. Vite, la mince étoffe s'use. Moqué deviendra le moqueur et brusquement, devant ses yeux, verra le bel archer sans cœur épauler son arbalète. Et voici votre troupe en marche, jeunes hommes des lendemains, vierges d'encombrantes pensées, fiers de n'être que des actes. C'est pour votre deuil, vieille Europe, que je drape ce requiem, alors que des tambours battent, rappelant ceux de mon entrée sous la coupole. Et mise en berne, une oriflamme jaillisse au fait de ma gloire obscure. Adieu, cher visage pâle. Adieu, poteau des supplices. Mon chant de cygne, je le chante, sur la glace d'une eau polaire qui s'enfonce jusqu'aux grottes où gravent leurs initiales, les amoureux de l'avenir. Thank you.
Préambule. À force de vouloir être dans cette solitude, où de n'être rien les autres craignent, à force d'oublier de vivre, traqué par la peur d'un esclandre, évitant que n'importe quelle joyeuse drie ne s'aperçoive de mon effort d'être. Je n'ose ni manger, ni boire, ni m'attabler au bord de leur danse. À force de vivre sous l'uniforme mal connu d'une légion étrangère, à force de me donner l'air de n'avoir pas l'air, à force de m'engluer dans mes pièges, à force de me dire « S'ils veulent voir mes papiers, je suis perdu. » Bref, à force de vouloir être de l'heure, moi le voleur aux semelles de silence, à force de donner le champ, et pour l'ombre d'un bossu avoir pris celle des anges, et d'alourdir mon scaphandre d'œuvre de plus en plus suspecte à la barque des beaux rameurs, à force de suivre les ombres de fantômes sans château, Styx, sur tes désertes rives, sans avoir vécu, je meurs.